Garcia. Gagnant de la série numéro 1, winner of heat number 1, lane number 5, couloir numéro 5, Matt Pigott, dans un temps de 2 minutes 13.42. Attention swimmers and coaches, the winner of the Win Your Purchase contest is Joshia Butt from Etobicoke Swimming. You can reclaim your prize at the kiosk of Speedo and Aquam at the entrance of the Sports Center. Gagnant de la série numéro 2, winner V2 dans le corridor numéro 4, lane number 4, 208-14 for Luke Riley, the Vancouver Dolphins. Was my name just announced for an award? Josiah Butt? Thank you.
Gagnant de la série numéro 3, winner of heat 3, lane number 9, dans le corridor extérieur numéro 9 des riverains de Lévis dans un temps de 2 minutes 07 89, Jérôme Boucher. Gagnant de la série numéro 4, winner of heat 4, dans le corridor numéro 5, lane number 5 de Oakville Aquatic Club, Gamal Assad dans un temps de 2 minutes 04.81. Thank you.
Gagnant de la série numéro 5, winner of heat 5 dans le corridor numéro 2, lane number 2. Des Vancouver Dolphins, Evan Broderick, qui inscrit un chrono de 2.06.28. Mesdames et messieurs, trois dernières séries aux 200 mètres papillon chez les messieurs ce matin à faire. La meilleure performance jusqu'à maintenant, 2.04.81, réalisée par Gamal Assad de Oakville Aquatic Club. Et la huitième meilleure performance, 2.07.33. Three heats to go this morning in the men's 200 butterfly. Top qualifier this morning so far, Gamal Assad from Oakville Aquatic Club with a time of 2.04.81, the eighth. Fastest time is 2:07:33 with three heats to go. Série numéro 6 dans le corridor numéro 3, Thomas Jobin. Couloir numéro 4, Zach Chitrat. Et dans le corridor numéro 5, David Sharp. Et ça sera finalement remporté dans un temps de 2.01.51 dans le corridor numéro 3. The winner of Heat 6, lane number 3, Thomas Jobin from Cascade Swim Club in a time of 2.01.51. Thank you.
200 mètres papillon de la série numéro 7 est remporté dans le corridor numéro 4. The winner of heat 7, lane number 4 from Alabama, Anestis Arampatsis, dans un chrono de 1:59.69. Dernière série présentement dans l'eau, 200 mètres papillon ce matin. Last heat this morning in the men's 200 butterfly. Dans le corridor numéro 4, lane number 4, Stefan Herniak. C'est le détenteur du record canadien dans cette épreuve. Un temps de 1:57.01 réalisé aux Jeux du Commonwealth en 2010. Lane number 4, Stefan Herniak. He is the Canadian record holder in this event. 1:57.01 set back in 2010 at the Commonwealth Games. Dans le corridor numéro 6 également, lane number 6, Alec Page, c'est le gagnant du 400 mètres 4 nages hier soir. He is the winner of the 400 individual medley yesterday night. En avance après la moitié de la course de compléter 56-72 pour Mac Darrock dans le corridor numéro 5, deuxième position, seulement 14 centièmes de seconde plus tard. Stefan Herniak est en troisième position, Alec Page en 57-58. À compléter dans cette dernière série ce matin. 50 meters to go in this last heat of the men 200 butterfly. Première position, Stefan Herniak, couloir numéro 4. Mac Darrock qui suit non loin derrière, 1:28.41. Et toujours en troisième position, Alec Page. Et à 15 mètres de l'arrivée, une course très serrée ce matin. Very close race here with 5 meters to go. Lane number 4, Stefan Herniak, Mac Darrock and Alec Page in lane number 6. Ce sera remporté par Stefan Herniak qui inscrit un chrono de 2 minutes.02.